bien avancée dans sa vie. Marie, Lila, Mariam et Aziz ont atteint leur objectif au bout de quelques années. Marie, tu as réussi à envoyer Franck à l'université. Lila, ta boutique a bien été agrandie et tes enfants ont des bons boulots. Mariam, tu as ouvert ton commerce et tes robes commencent à être connues. Oui, Aziz, c'est un effort de tous les jours qui paye. J'ai suivi mes petits objectifs de tous les jours. Gagner 5 000 par jour, épargner un billet quand j'en reçois 10, arranger ma boutique différemment toutes les semaines. Vous avez fait ce qu'on avait dit, avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et avec un cadre temporel défini. Séparer l'argent de l'activité et de la famille, ça m'a bien aidée. J'ai pu mieux suivre mes entrées et sorties d'argent. J'ai compris mes bénéfices et que mon stand était mal placé. Alors mon salaire était tout petit. J'ai mieux communiqué et avec l'argent, j'ai épargné pour payer l'éducation de Franck. Oui, moi j'ai lancé mon commerce de robes avec le prêt d'Aziz que j'ai pris, après avoir vu que c'est le moins cher. Et après 2 ans, j'ai remboursé car un prêt, c'est une responsabilité. Et je suis différente de mes voisines et plus responsable. Épargne égale sécurité, fiabilité, proximité et anticiper. Et qu'il faut prioriser ses besoins et payer ce qui est essentiel. Bravo les filles, vous êtes trop fortes. Vous avez tout réussi alors que ça vous paraissait si difficile.